Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun remporte la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce dimanche, 5 février, un duel serré face à l'Égypte qui s'est ponctué sur un score de 2-1. Comment encourager l'entrepreneuriat féminin? Le gouvernement algérien se penche sur une stratégie nationale afin d'accélérer le processus d'autonomisation de la femme au sein de la société dans le monde du travail. Voilà un an que la route nationale 1 relie Brazzaville à Pointe-Noire, la RN1 qui demeure un axe majeur de l'économie de la République du Congo. Le Cameroun champion d'Afrique. Ce dimanche 5 février, l'Afrique avait les yeux rivés vers Libreville où se jouait la finale de la CAN qui a opposé l'Égypte au Cameroun. Et c'est finalement les Lions indomptables du Cameroun qui remportent le trophée avec 2-1 face au Pharaon. Corinne Kamdem revient sur ce duel de choc. Le Cameroun champion d'Afrique. C'est sur le score final de 2-1 que les hommes du Gobrou se sont imposés face au Pharaon d'Égypte ce dimanche 5 février au stade de l'Amitié de Libreville. Le Cameroun est donc champion d'Afrique pour la 5e fois de son histoire. Si le Cameroun est passé à côté de sa première période avec un but encaissé du milieu de terrain égyptien Mohamed El Neni à la 22e minute, grâce au but de Nicolas Nkoulou à la 59e minute et de Vincent Aboubakar à la 88e minute, les Lions indomptables ont réussi à s'imposer. Les phases de poule ont fait qu'il y a eu un esprit naître dans ce groupe camerounais. Et puis petit à petit, les matchs après match, les victoires et les points qu'on nous ont permis de sortir de cette poule. Et étant donné que nous étions outsiders, on n'avait rien à perdre et on a su sortir et mettre nos adversaires dans la sauce. Battu en 2008 par l'Égypte en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun tient enfin sa revanche. Un véritable exploit pour cette équipe qu'on n'attendait pas au début de cette compétition. Tout au long de cette CAN 2017, le Cameroun a surpris tout le monde pour se hisser une fois de plus au sommet. On ne sait pas chercher un futur Eto, un futur Ringo Bersong. Non, ils ont des qualités, c'est un groupe, ils ont démontré. Et donc, en restant comme ils sont là, en formant cette bloc, cette sélection fera parler d'elle par la suite. À l'issue de cette finale de la CAN 2017 au Gabon, le Cameroun obtient donc son premier sacre depuis 2002. Comme diraient les Camerounais, un lion ne meurt pas, il dort. Le rendez-vous est donc pris pour 2019, où le champion d'Afrique devra défendre son titre à domicile. Et au Maroc, les députés du parti Authenticité et Modernité, le PAM, deuxième force politique du pays, renoncent aux indemnités reçues pendant la période d'inactivité du Parlement. La somme est importante, 14 millions de dirhams ainsi restitués à l'État. Les précisions dans ce sujet préparées par la rédaction. Le parti Authenticité et Modernité décide de rendre au trésor public marocain les indemnités que ses députés ont reçues au moment où la Chambre des représentants n'était pas opérationnelle, c'est-à-dire du 15 octobre 2016 au 16 janvier 2017. 3 mois durant lesquels aucune séance parlementaire n'a été tenue en l'absence de majorité gouvernementale. Nous n'avons pas travaillé pour mériter ces indemnités. Par honnêteté, nous avons décidé de les rendre au trésor public. Au total, les 102 députés du parti ont restitué 14 millions de dirhams. Sur les 395 députés que compte l'Assemblée nationale marocaine, chaque parlementaire perçoit en moyenne 27 000 dirhams par mois. En renonçant aux indemnités reçues pendant la période d'inactivité du Parlement, la deuxième force politique du royaume entend inscrire son mandat sous le signe de la moralisation de la scène politique. Un thème qui a fait la popularité du parti Justice et Développement, son principal adversaire. On assiste très souvent à des scandales de corruption, des scandales de mauvaise gestion qui concernent les acteurs de la classe politique. Et c'est ça qui justifie le découragement que les populations éprouvent généralement envers la politique et envers la classe politique d'une manière générale. Et si on regarde bien les pays du modèle arabe, il y a certainement des pratiques anciennes comme le bakchich qui concernent aussi la classe politique, notamment l'affairisme et autres. Donc la volonté de vouloir moraliser la vie politique marocaine
est un sujet qui va très certainement intéresser la classe politique et la population. Le parti Authenticité et Modernité intervient de plus en plus sur le thème de l'utilisation des deniers publics. Sa mesure intervient pour la première fois dans la vie parlementaire marocaine. Le PAM, qui milite également pour la suppression des retraites des parlementaires, sujet clivant sur la scène politique du royaume. En Côte d'Ivoire, le congrès constitutif du Conseil national des jeunes est fixé au 11 février dans la capitale Abidjan. Cette instance a été créée en novembre 2016 par décret présidentiel. Et cette instance se présente comme étant un organe consultatif pour la prise en compte des besoins des 16-35 ans. Les hommes et les femmes sont loin d'être égaux face à l'entrepreneuriat. Pour répondre à cette problématique, les initiatives se multiplient. C'est le cas notamment en Algérie, où le gouvernement entend déployer un plan national visant à lever les obstacles auxquels se heurtent les femmes qui souhaitent se lancer dans les affaires. Corinne Comdem. Vers la mise en place d'un plan national pour le développement de l'entrepreneuriat féminin en Algérie. C'est ce qu'a annoncé Rabah Hamdi, secrétaire général du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. Une annonce qui convergeait avec le lancement ce dimanche 5 février d'une campagne de sensibilisation sur l'entrepreneuriat féminin dans la ville de Chlef, au nord du pays. Selon M. Hamdi, l'implémentation de ce plan devrait débuter d'ici le mois de mars prochain. L'Algérie poursuit le processus d'autonomisation de la femme au sein de la société et dans le monde du travail. La mise en place d'une stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin, incluant tous les acteurs du monde du travail, est l'un des fondements de l'économie moderne. Ces actions permettront aux femmes de se libérer de la dépendance économique et de devenir un acteur important au sein de la société. L'entrepreneuriat féminin est un facteur clé du développement africain. Cependant, celles qui veulent créer leurs entreprises sur le continent sont encore trop confrontées aux inégalités du marché du travail. L'Algérie, qui s'est engagée à appliquer les décisions de l'Union africaine, qui a placé l'année 2017 sous le thème du dividende démographique, compte par ce biais changer la donne. Le programme du président de la République a indéniablement permis d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyennes en mettant en œuvre des politiques de formation, d'emploi et de protection sociale en direction de la femme et en mettant en place les cadres législatifs et réglementaires adéquats, permettant à la femme d'assumer ses devoirs et d'exercer pleinement ses droits dans tous les domaines. Pour rappel, la campagne de sensibilisation qui a débuté ce dimanche 5 février se poursuivra jusqu'au 8 février en passant par les communes de Boukader, Oued Fouda, Oud Fares et Chétia.